Peut-être est-ce le début du printemps ou la fin de l'été. Quelques rares feuilles s'accrochent encore aux branches visibles à travers la porte s'ouvrant sur la petite terrasse de ciment qui donne probablement sur l'arrière-cour. Dehors, la luminosité semble vive mais possède les teintes qui donnent ce caractère de fraîcheur aux photons matinaux. Une chaise de métal revêtue d'un sky aux couleurs vieillottes cachant difficilement l'inconfort d'une assise trop peu rembourrée maintient la deuxième porte de bois vers l'extérieur. Les poignées de laiton ont perdu de leur brillance et la peinture est jaunie par les UV. Un air nouveau entre dans cette petite chambre ayant traversé les époques sous le regard bienveillant du temps qui semble avoir apporté un soin particulier à lui conférer un charme désuet. Une lampe à l'abat-jour oblong légèrement de travers est posée sur une table de chevet circulaire provenance directe des années 50. Sur la table de chevet, une feuille de papier posée en équilibre comme une lettre lue d'une traite, de celle qui bouleverse quelle qu'en soit l'issue. La tapisserie peut être saumon, empreinte de motifs qui ne sont plus d'usage, des plumes, des feuilles. Des reproductions de peinture décorent la pièce, mais les reflets sur le verre des encadrements dorés ne laissent rien voir des images. Deux étagères de bois du contreplaqué au profil de boomerang accrochent fièrement leur vacuité au mur. Seul un réveil de plastique trône sur l'une d'elles. Sous l'étagère de droite, un calendrier, survivance d'un orientalisme naïf, représentant un homme âgé, barbu et joufflu, un bâton à la main, observant l'air bonhomme, une grue se pavanant à ses pieds, là au-dessus où Confucius comme archétype d'une sagesse universelle. En pénétrant dans la chambre, le soleil donne au rideau de tissu fin des touches de carmin où se dévoilent par transparence les dessins des voilages de dentelle. Sur le bureau, vernis usé, une lampe télescopique, objet incongru, trahit un peu plus l'âge du décor. À ses côtés, des éléments de passage, une trousse de toilette, un vernis à ongles. Le lit défait ainsi que l'accumulation spontanée de désordre laissent entendre que la vie en ce lieu est contrainte et provisoire. Sur le fauteuil voisin, quelques vêtements s'entassent, tandis que dans l'autre, une jeune femme, enveloppée dans un sweat à capuche de coton bleu et au cordon blanc, fixe le contenu de la tasse qu'elle tient en main. Ses jambes sont nues, ses cheveux négligemment attachés, le réveil n'est pas loin. Au sol, la moquette se fait l'écho des rideaux et réchauffe un peu plus cette image composite. L'optique de la caméra survole lentement cette surface, espérant trouver au cœur des interstices le bruit nécessaire à l'apparition de la lumière originelle.